Bonjour. Ça va et toi? Ouais. Alors, raconte-nous un peu. C'est le bonheur. Beaucoup de plaisir. Beaucoup de plaisir. Énormément. On parle de ton passage en backward qu'on a eu. Ouais. Tu t'en es foutu l'équipe. C'est qu'en fait, quand t'arrives en arrière, c'est des portes en foudre. Alors, l'air ouvre la porte. Et comme j'avais chaud, voilà, je me suis dit, bon, voilà. Ok, bon bah que du bonheur alors. La théorie du complot par rapport au V12, on en parle. Tu veux dire mais ça c'est de la faute à qui, à moi ou à vous? Mais très fort. Bon alors qu'est-ce qu'on en pense de la nouvelle M3? Ça marche bien. Ça marche. Mais bon, on préfère les moteurs japonais quand même. Ouais. Allemand, c'est pas mal d'ailleurs. Eux, ils vous aident à suivre l'actu du drift à travers l'Europe. Alors, c'est con à dire, mais c'est pratique quand vous voulez savoir s'il se passe quelque chose, qui a gagné. Ça a été ce matin ou pas? Oui, il n'y a rien cassé. Non. Non, bah, j'ai cassé un pare-choc hier, mais ce matin, rien. Les gars, si vous vous souvenez, la voiture a totalement changé depuis. À part que le pasteur qui est toujours pété. Presque, presque. Diageo d'aller se faire enculer. On est avec Anthony Rotti, donc, qui a changé de monture. Alors là on est passé dans un autre monde, que ce soit financier ou conduite, et on essaie de s'y faire. Là j'ai eu pas mal de galères au début avec le moteur, remettre la voiture aux normes et tout ça, pas mal de temps cet hiver. Donc en gros depuis Calmont, parce que Calmont c'était Blue Motorsport qui m'avait prêté ce que j'avais problème, j'ai vendu ma caisse, j'ai acheté celle-ci. Et donc la première sortie de la voiture, c'était il y a une semaine à Durcelly. D'accord, est-ce que ça a été un peu un coup de foudre à Calmont ou pas? Ah oui. Vraiment? Complet. Ah ouais. J'ai trouvé mon style de pilotage et de motorisation qui me correspondait. Ce qui est incroyable quand même, c'est que tu as roulé beaucoup en V8 et en boîte NECA. Donc ce qui est incroyable, et là tu te mets au turbo d'un coup et... Alors en gros, tu vois, c'est par la force des choses. Quoi. Ouais, ouais. Ma caisse était en panne, Bébert il avait... cassé un cardan et il a pas pu faire ses deux runs de qualif à Calmont, et en rigolant il me dit mais prends un casque quoi. Là j'ai non, déjà tu peux 1m98, tu peux 1m70, boîte séquentielle, le frein à main il était inversé comparé à ma voiture, ouais. Turbo, 700 chevaux, Calmont, tu vois c'est pas un circuit, tu vois, c'est tu te sors, la caisse elle est morte machin. Je dis bon, allez vas-y, j'ai senti tu vois, allez vas-y on essaie quoi. Du coup j'ai même pas fait d'entraînement, je suis parti au round de qualif avec la caisse. Les bras tendus, les points de pied sur les pédales. Premier run, je me trompe, ouais. Le frein à main je mets une vitesse, donc là c'est à la couche. Oh. Et deuxième round, j'ai dit, vas-y, je touche pas le frein à main, je vais m'appliquer pour au moins passer les... Et je crois que t'as fait une très bonne qualification. C'était pas mal, ouais, je crois que j'ai fait dans les 10. Ouais, bah, on le voit ici à la Drift Cup. D'ailleurs, on va pas se mentir que tes passages sont plutôt propres, plutôt... c'est ce qu'il dit dans les paddocks pas mal. Et qu'est-ce que t'attends pour cette Drift Cup? C'est vraiment plutôt vraiment rouler et t'adapter à la voiture. M'adapter à la caisse, rechercher un peu ses limites au niveau de... du braquage, du freinage, du moteur, tu vois, me sentir. Donc tu as découvert encore. Ouais. D'accord. Il y a un potentiel de fou. Mais ça va super vite. Faut pas rouler vite. C'est cher. Donc c'est un 2GZ hein, quand même qui est bon, quand même reconnu mondialement. C'est un délire. Pour moi, je suis tombé amoureux. Et voilà, Drift Actuel. Tu galères? Ouais,
Donc là, c'est ta première sortie avec la voiture? J'ai fait 2-3 sorties de réglage, par exemple pas de drift. Ouais. Sur les sessions grip, du coup, juste pour un peu mapper le moteur et tout, voir si tout se passait bien, si tout allait bien. D'accord. Ouais. Tu vas nous en parler un petit peu? Ouais, on va faire la piste. Ouais, donc du coup, c'est une base d'arrêt de suite, hein, comme vous pouvez voir. Voilà. Voilà, donc à la base, une RHD que j'ai passé en trouille à gauche. Ah, quand même, donc déjà tu sais. Ouais. Là, je suis habitué, ouais, sur la SRA, j'étais en coulisse à gauche. Donc, tu t'es compliqué la tâche en. Je préférais rester sur la coulisse à gauche, vu que j'étais habitué à rouler en drift à gauche, donc voilà. Tu roules depuis un petit moment. Ça fait 10 ans. Hein. Ouais, tu roules depuis un petit moment. Ouais, ça fait donc, du coup 8 ans que j'avais la S13. Ouais. Beaucoup de drift cup, pratiquement toutes les années, un drift cup. Beaucoup de sorties avec un peu de Canyon King of Europe, du coup. Ouais, bien sûr. Ok, donc qu'est-ce que tu as fait sur cette voiture? Et sur celle-là, du coup, tout le châssis est fait maison, un arceau de multipoint fait maison, tout soudé au TIG. Tous les trains roulants, j'ai refait des verses tubulaires, j'ai refait tous les triangles rotulés, ouais. Tout rotulé. T'as tout fait toi-même? Tout moi-même. Ok. L'arrière sur le refroidissement? Ouais, donc j'ai le radial dans le coffre, ouais. Avec une pompe électrique, avec des petites écopes en Kevlar. Vraiment sur ce qu'il fait maintenant, ce qu'il fait un peu. Dans le style de la GK, quoi, par exemple. Voilà. Un petit réservoir fuel safe. Mais d'ailleurs, c'est fait vraiment sur mesure, il n'y avait pas de kit de base sur la RX8, t'as vraiment travaillé Ouais, donc tu t'es pas inspiré d'une prépa en particulier. Un peu James Dean de Mad Mike. Ouais, bien sûr. Avec le kit Rocket Bunny, parce que c'est vraiment un kit qui, je trouve, va parfaitement bien à la RX8. On a vu du Kevlar, je crois, sur ta cabine. 100% Kevlar à la caisse, sauf les portes et le câble. D'accord. Tu l'as pesé? Non, pas encore. J'ai pas eu l'occasion de la peser. Et tu penses en tirer combien? Ça va faire entre tonne et une tonne 100, je dirais, quoi. Ok, d'accord, ok. Je peux pas plus ou moins, après ça fait... Okay. Le moteur est pas super lourd, bon il est un poil plus lourd qu'un rotatif quand même, mais ça reste un bloc en allume. On va parler du moteur parce que c'est là un peu la chose spéciale du truc. Ouais. Alors moi j'aime bien faire comme tout le monde, hein. Beaucoup mettre des JZ, des V8 et compagnie, moi j'aime bien compliquer la vie. Du coup je suis parti sur un bloc Volvo, et vu que j'aime le bruit les 5 cylindres, un 5 cylindres quand ça chante un peu comme un petit V10. D'accord. Voilà, donc pour pas faire simple non plus, moi je suis parti sur un bloc de diesel. Donc un bloc de D5, donc le bas et le vilo c'est du D5. D'accord. C'est une culasse de D5 de litre. J'ai fait des ITB avec des papillons de Skyline RB26. Mmh. Ouais, donc voilà, t'as tout vraiment rafistolé. Il y a un peu de toutes les marques de l'an dans le moteur. Enfin, voilà. Mmh. Au final, on tourne à des températures relativement stables, mais assez élevées, mais stables. Ouais, et du coup, par rapport à la puissance. C'est différent de température par rapport à un intercooler normal, je trouve. Et sur la puissance, tu sais à peu près combien? Et la puissance, il n'est pas encore terminé de mapper le bloc, mais entre 400 et 500. Quoi. Ok, bien propre. Pour une tonne, une tonne 100, enfin 100, ça va. Hein. Bon, bah merci beaucoup, mec. Voilà. Merci à toi. Bon, Lou, tu veux nous parler de tes calibres d'abord ou pas? Non. La merde. Non, en vrai, le premier, oui, ça c'est 0 sûr. Le deuxième, on verra bien ce que ça donne. Et pourquoi tu regardes le reste des calibres en gros? Pour voir ce qui se loupe. Bon alors, la soirée, comment ça a été? Ça va? Ouais, et toi? Ouais. 6ème place? 6ème place. Félicitations. Merci beaucoup. Ouais. Et Hirschi, il a fait mieux? En 3 a fait mieux? 3. 3ème! Bon, vous le sentez comment alors? Le plaisir, autant gratifiant pour le travail, autant effectuer des réquisitions, depuis une saison, pas sur les attentes, tu sais, alors super gratifiant pour ça. Mais ça peut aussi compter un cran de plus le diaphragme là. Ouais. tu tombes contre le plus jeune des frères Grimm. Peter Grimm, voilà, exactement. BM46. Tu te sens bien? C'est jamais à la Rose Battle pour la sentir, mais par contre, je sais que c'est un circuit où les battles c'est difficile. Par la grande vitesse. Ouais. Un petit coup de frein du leader avec un coup d'accélérateur du suiveur, ça fait 20 mètres en une seconde de rapprochement et à peu ça près. Ça va être pas mal. Ça merde. Va être dangereux. Merde alors et bon courage. Merci. Sors de là. Ah, tu fais tape de l'autre côté. Super ça. C'est beaucoup avec l'actu du drift, hein. Merci. Hein. Bah écoute, il faut se rafraîchir parce que si on tombe et qu'on quinte, il n'y a plus personne qui filme. Ah, ça c'est pas faux. Toi, tu devrais venir, Benny. Attends.
Dixième aux qualifications, Damien, bravo. Ouais, génial. Félicitations. Trop, trop content. Tu t'y attendais? Non, mais absolument pas. Vu comme j'ai roulé hier pendant les trainings, je me sentais vachement bien. Donc j'étais un peu confiant sur la qualif parce que la voiture elle est super bien, elle va vite, elle fume beaucoup. Et au niveau des clips, j'en prenais pas mal, mais pas tous. Donc je pensais vraiment être qualifié. Et en fait, j'ai fait le meilleur run que j'ai fait du week-end, mais au bon moment. Ouais, au bon moment. Premier run, je suis arrivé, j'ai vraiment chopé tous les clips, j'ai mis du bon angle, la bonne fumée. Je suis un peu manqué sur le dernier virage, ce qui fait que j'aurais peut-être même fait mieux. Parce que je me suis un peu déconcentré. J'étais tellement content des précédents clips que sur le dernier, je me suis un peu déconcentré. J'ai fait une petite correction qui m'a coûté certainement quelques points. Mais du coup, ça m'a mis à l'aise en plus. Parce que le premier était bien passé. Du coup, au deuxième, j'étais en mode tranquille. Mais trop content. Donc, dixième, c'est inespéré. Premier battle en compétition, du coup. Ah, c'est chaud. Dans quel mood t'es là? Vraiment. Justement, parce que j'ai la chance de tomber sur un copain, Kevin Dickens. Ça me fait plaisir parce que, tu sais, si tu tombes sur un gars que t'apprécies vachement, que tu connais, c'est comme si je tombais avec Locat ou avec Eric ou même avec mon père, tu vois. Je me dis, bon, c'est pas grave, c'est un pote qui passe, donc non, ça va. Puis moi, j'ai gagné mon week-end. Ouais, ça y est. Sixième, qualifié, donc moi, quoi qu'il arrive, mon week-end, il est... Ouais, par rapport à tes objectifs, c'est vraiment... C'est exactement ça. Moi, mon objectif du week-end, c'était de me confronter vraiment avec des gars, avec un beau plateau, en mode compétition, avec des règles, avec des qualifs, un top 32, et d'essayer de me qualifier dans le top 32. Donc l'objectif atteint. Bon, en tout cas, on est très contents. Ben, merci en tout cas. Et on a hâte de voir ce battle et que tu ailles le plus loin possible. Merci beaucoup. Merci à toi, Damien. Tes sensations, etc. Bah, c'est bizarre au bout de presque 5 ans. Ouais. Après, les sensations reviennent. Je suis pas. Bon, c'est pas une grande surprise. Ça aurait été trop beau de retrouver. Les sensations? Tout le film d'avant. C'est une nouvelle voiture avec toi, je peux bien rouler avec. On roule en plus slick. Tout a changé en gros. Qui est vraiment au niveau châssis, vraiment plus performant que. Parce que toutes les voitures ont évolué depuis. Le niveau des pilotes et le niveau des voitures. Donc, se faire la boîte séquentielle, se faire au train arrière qui grippe, parce que c'est sur quoi on a bossé tout l'hiver pour avoir une voiture performante et efficace. Quoi. Et au final, après on n'a pas de retour dessus. Maintenant, bon, on sait qu'elle va vite, qu'elle grippe, on peut travailler un peu à la dégrader. Et aussi le fait que le circuit est très rapide et pas évident pour une reprise. Et du coup, cet après-midi, t'as les battles, c'est ton retour en battle après 4-5 ans quand même. Ouais, 5 ans où c'était pas le même niveau que maintenant, 5 ans où... j'ai rien fait, hein, donc... J'aime pas m'avancer, j'aime pas parler. De toute façon, quand on fait quelque chose et qu'on veut le faire, comme tout ce qu'on fait dans la vie, on le prépare. Donc, on n'y va pas la tête baissée. En tout cas, c'est cool de te revoir parmi nous. On est très content de nous faire la Drift Actu parce que tu sais que la chaîne est jeune et qu'on ne te connaissait pas avant. Et c'est très cool de te revoir revenir. Et puis surtout que la voiture m'a encore vu de l'extérieur. Ouais. Et on te souhaite une très bonne chance pour la Drift Cup. Cool. On se retrouvera au CSD. Merci à toi. Merci les gars pour ce que vous faites. Let's get ready to rumble!
Regardez, ah, Axel François qui a déjà beaucoup de. Oh! À tout moment! Il s'est perdu de couplet, Axel, sur ce tracé! Ah, il a dérangé! Quel rebondissement de la journée! Tu suis la trajectoire? Attends, il avait plus de pousser la manche. Il s'est littéralement fait embarquer là. Il s'y attendait pas du tout. Derrière lui, c'est bien dans le même sens dans lequel il est sur le top galère. Il a dit quoi? Il est explosé. Carglass répare, Carglass remplace. Bonjour, je suis Olivier de Carglass. Vous pensez que cet impact est trop petit et que ça ne vaut pas le coup de s'en occuper? Beau spectacle. Et c'est parti, Michael Perrotté leader. J'aime voir qui va venir attaquer le pilote suisse. Oh la vache! Oui, 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 oui. Voilà. T'as vu qu'il y a les jambes de Rossi? Au déclenchement des deux pilotes, ça va très vite, ça fume énormément. Il y a un petit peu de. Content du week-end? À mort. Content du week-end? À mort. Oh oui. La voiture, elle est incroyable. Je pense que la voiture, elle est là. Ouais. Et moi, je suis là pour l'instant, tu vois. Donc. T'as encore un peu peur. Il y a une belle marge d'évolution. Là. Elle te ferait pas peur un peu? Elle m'effraie complètement. Sérieux? J'adore ça. Ah, c'est trop cool. Ouais. Après, c'est pas comme les meufs, tu vois. Quand une meuf te fait peur, c'est pas bon. C'est pas le meilleur. C'est qu'elle est vraiment. C'est là, t'arrives au fond de 5. Si, si, ouais, mais c'est bien. Moi, c'est, je suis vacciné là. T'as pas un coup de soleil? C'est pas un coup de soleil, ça. Comparé aux Acnovadés. Ouais. Jason, il est content. Il était présent. Tout à l'heure, je me retourne, je vois Jason, je croyais que c'était Joe Black. En fait, moi, je suis venu juste pour me faire bronzer. Hein. Je n'étais pas venu rouler là-bas. On a eu. Il est où le quatrième fanfaron, là, Guigui, là? En fait, juste. Attends, il faut expliquer juste ce matin. Il est de venir. Vu que je n'étais pas café, je montrais à tout le monde ce que je savais faire. Après, je suis rentré, tu vois. J'ai dit, bon, ça a rien de rouler, de toute façon. Ouais, j'ai la flemme. Dis donc, t'as pas un dégonfleur de citron, toi? Ah, ouais, non, c'était une boutade. Ouais. Enfin, bon, dans tous les cas, on est sortis. Mais moi plutôt que toi, j'ai gagné. Ouais, c'est vrai. Enfin, je sais pas si on gagne dans ce sens. Mais... T'as cassé. Il y avait un pari. Oui. Ah tiens. Ouais. Ah. Alors ça, ça. Alors raconte-nous ton. Attends. Ouais. Ça c'est ce qu'on appelle un con. Parce que tu sais, le mec se sort devant, donc t'as gagné. Bah attends, je vais faire pareil. Combat à armes égales avec honneur. Armes égales. T'as perdu avec honneur, c'est bien, mais on peut gagner ça. Hein. Attends, est-ce qu'on peut dire tout ce qui a cassé sur ta voiture ce week-end? Rien, le pare-brise quoi. Le pare-brise, le pare-choc avant? Mais ça, c'est rien. Le pare-brise, le pare-choc avant, le radiateur d'huile, le radiateur d'eau, les miens chibres aussi. Il y avait deux GoPro qui étaient dessus qui sont mortes. Il y a j'ai l'impression que tu te plains un peu là, non? Une aile. Tu te plains? Ça va. Allons. Mais en fait, vous comprenez pas, un pare-choc, c'est comme le pâté, tu sais, qui a la pâtisserie, elle est dedans. Oui. Bah, tu l'enlèves pour le bouffer. Ça en va les couilles des pare-chocs. Bah oui. Voilà. Je partais en guerre. Ah, c'est bon. Bon, content du week-end, les gars, quand même? Ouais, ouais, c'était trop bien. On a roulé, ouais. On a réglé la caisse, oui, on s'est habitué à sa nouvelle caisse, les voitures, elle a tenu tout le week-end, qu'est-ce qui se passe? Il y a un mieux, Yannick il a construit un mieux. Ouais. J'ai peur, on va l'appeler tout d'auteur celle-là. Derrière, ça fait... Ouais, ça fait... quand t'es dedans, ça fait encore plus dur. À part un pare-brise. C'est pas lui. Et voilà, c'est terminé pour cette vidéo, nous on a passé un super week-end, j'espère que ça vous a fait plaisir aussi.
Comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la cloche et surtout à mettre un like parce que ça nous aide beaucoup sur YouTube. Également, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, Discord. On vous attend. Et on se retrouve pour bientôt de prochaines nouvelles aventures. Salut. Salut. I'm coming for the throne.